Et à pouvoir rêver, et ce soir, j'ai envie de rêver. Pourquoi seulement une fête et pourquoi pas même une qualification d'Orléans qui commencerait par un bon résultat dès ce soir. Vous avez un petit avantage sur moi, à savoir que pour vous, il est mardi soir. Pour moi, il n'est encore que samedi et nous sommes avant le coup d'envoi. Donc vous connaissez le résultat, pas moi. Pour commenter cette rencontre, Olivier Trassard. Il a la malchance d'être avec moi sur le banc ce soir. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que, étant suspendu, Olivier Trassard ne peut participer à cette fête du football. En tout cas, il sera là pour le match retour. En attendant, je vous propose, avec Frédéric Deschamps, de découvrir la composition des équipes. Avec pour le Paris Saint-Germain, numéro 1, Joël Batz, gardien de but. Numéro 6, Jean-François Charbonnier, défenseur latéral gauche. Numéro 5, Philippe Janol, stopper. Numéro 13, Jean-Marc Pilorget, libéraux. Numéro 4, Michel Bibard, défenseur latéral droit. Dans l'entrejeu, numéro 12, Alain Polagnoc, milieu de terrain défensif. Numéro 8, Omar Sen, capitaine et milieu de terrain défensif. Numéro 9, Gabriel Calderon, milieu de terrain offensif droit. Numéro 10, le Yougoslave Safet Susic, milieu de terrain offensif gauche. Et devant, numéro 7, Daniel Zvereb, attaquant. Et numéro 11, Christian Pérez, attaquant. Remplaçant, numéro 15, Jocelyn Rico, défenseur. Et numéro 3, Pierre Reynaud, milieu de terrain. Entraîneur, Tomislav Ivic. Pour l'USO, numéro 1, Jean-Yves Lemot, gardien de but. Numéro 3, Martial Sesniak, défenseur. Numéro 5, Henri Zambelli, capitaine et libéraux. Numéro 4, Simon Boyer, stopper. Numéro 11, Bruno Poucan, défenseur. Dans l'entrejeu, numéro 6, Gérard Baconnier, milieu de terrain défensif. Numéro 8, Stéphane Béas, milieu de terrain relayeur. Numéro 12, Christophe Soyer, milieu de terrain offensif. Devant, numéro 7, Manuel Lerat, attaquant. Numéro 9, Joël Germain, attaquant. Et numéro 14, tiens, ça me rappelle quelque chose. Je porte ce numéro avec plaisir parce que j'aimais bien Johan Cruyff en tant que joueur. Et numéro 14, c'est quand même un numéro de légende. Remplaçant, numéro 15, Danko Matrian, attaquant. Numéro 13, Lionel Henault, milieu de terrain. Entraîneur, Jean-Baptiste Bordas et Caroli Kremer. Merci donc Frédéric pour la composition donc de ces deux équipes du Paris Saint-Germain et de l'US Orléans qui sont entrées sur la pelouse pendant ce temps-là. Et puis donc avec moi Olivier Trassard, c'est un peu la malchance pour vous donc d'être obligé de commenter cette rencontre. Ouais, tout à fait, bien sûr, puisque bon, moi, j'ai écopé d'un match de suspension, donc bon, c'est sûr de participer à cette fête-là. Bon, bah, c'est malheureux pour moi, mais enfin, j'ai ce que je mérite et c'est tout. Bon, match retour en tout cas. Je le souhaite de toute façon. Bon, ça, il dit je le souhaite, mais enfin, on sait qu'Olivier sera là sur la pelouse. Bon, visiblement, donc, les Orléanais, donc, en jaune et rouge, le Paris Saint-Germain en blanc. Le Paris Saint-Germain avec des joueurs très forts, Olivier, on connaît Joël Batz, on connaît Soucich, on connaît Calderon. Pérez, oui. Ils ont une belle équipe. C'est vrai que, bon, ils ont une équipe de forte personnalité. Et une forte personnalité, d'ailleurs, on le voit sur les images, avec le Cup de Boulogne. Tout à fait, ouais, déjà. Bon, enfin, je pense qu'on est bien garni aussi et bon, bah, on peut rivaliser de ce côté-là avec les Parisiens. Alors Jean-Yves Lemot, Langers, l'équipe d'Orléans très concentrée, on a vu. Hein. Tout à fait concentrée, bien sûr, tout à fait motivée dans la mesure où je pense que bon, il est toujours possible de faire un résultat, même au parc. Et tout est jouable. Voilà, à quelques instants donc du début de cette rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui va engager. Avec Daniel Zvereb, à côté de lui, Safet Susic. Et coup d'envoi donc de cette rencontre, Susic et Calderon derrière, et qui a déjà évité un Orléanais, et qui tente de lancer Zvereb dans le trou, mais c'est Zambelli qui a récupéré. Devant lui, Lerat, et la touche sera pour le Paris Saint-Germain. Les premières minutes très importantes, Olivier. Très importante, effectivement. Bon, rentrer dans le match, rester concentré et surtout pas s'affoler.
Et Calderon qui rentre dans la surface de réparation face à lui, Zambelli, mais il a réussi à centrer. Et c'est Oumarsen qui tente un tir de très très loin mais qui a été contré. Les Orléanais remontent très vite. Mais on va un peu vite peut-être pour l'US Orléans et on perd le ballon très vite et un coup franc. Un coup franc pour une faute sur le numéro 11 du Paris Saint-Germain, à savoir Christian Pérez, qui reste au sol. Ah, il ne faut pas se laisser impressionner surtout. Hein. Non, surtout pas, il n'y a aucune raison. Je pense que bon, c'est un match qui est jouable dans la mesure où il y a 11 acteurs de chaque côté. Et bon, bah, il n'y a aucune peur à avoir, bien sûr. Ne jamais craindre l'adversaire, mais tout en le respectant. Ouais, les gabarits et puis leur jet, tout ça, ça impressionne pas? Non, bah, nous, on a des gabarits comme Boyer, Germain, Cézniak, Lemot. Je pense que on peut rivaliser de ce côté-là aussi. Christian Pérez reste un petit peu longtemps allongé sur la pelouse. Ce sera dommage que la fête soit gâchée dès le début. Xurem. C'est Xu. Xurem, ouais. C'est Calderon qui est près du ballon, mais c'est Soucich qui va, je pense, lui donner le ballon. Calderon. Calderon qui tente de rentrer dans la surface, mais il est bien stoppé par... Joue vite, là. Ça joue très vite, il faut jouer vite avec Langers, qui est la grande vedette de l'US Orléans, qui a vu de l'autre côté, c'est très bien joué. Mais il y avait hors-jeu et surtout Christian Pérez qui était bien revenu. Joël Basse derrière lui, avec Pilorget. Oumarsen devant. Le pressing orléanais, il faut le faire tout de suite. Oh, c'est pas très bien joué, voilà, de la part de Boyer. Et belle sortie de Lemot. C'était pas facile, c'est le genre de ballon qui sont très difficiles à avoir. Il n'a pas eu encore une fois le ballon dans les mains et déjà il était obligé de sortir au pied. Et un joueur qui se présentait tout seul, à savoir Christian Pérez. Daniel Xverev, ben, disons ça commence bien. Avec un nouveau départ de l'autre côté. Et cette fois-ci c'était Alain Polagnoc, que l'on connaît bien ici à Orléans, parce qu'il a joué pas loin. C'est vrai, il a joué au FC Tours. Ça semble difficile, le Paris Saint-Germain a un rythme de jeu qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, Olivier. Tout à fait, bien sûr. Bon, c'est une équipe de première division, en plus, qui postule la première place, enfin deuxième place du championnat. Donc, on n'a pas affaire au n'importe qui. Ouais. Avec une faute et la première contestation parisienne. Je crois qu'il va falloir peut-être laisser passer un peu l'orange, essayer de prendre un peu le pouls de cette équipe parisienne, non? Voilà, prendre ses marques, surtout pas s'affoler. Bien sûr, c'est sûr qu'on s'attendait à une légère domination parisienne, mais enfin... Pourtant, le Paris Saint-Germain est plutôt réputé pour avoir une bonne défense et un jeu de contre. Défense, un jeu défensif, mais enfin... Ah, c'est peut-être un beau geste qui a été tenté. Oh là là! Alors, Janol, là, nous a fait quelque chose d'un peu inhabituel. À nouveau Janol. Pilorget. Pilorget. C'est le trait. Ouais. Et interception orléanaise. Et le ballon pour Lemot. Avec une belle ambiance quand même. Plus peut-être d'Orléanais ou de supporters d'Orléans que du Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, fortement. Jean-Yves Lemot, loin devant. Il cherche Langers, mais il trouve la tête de Janol cette fois. Et un hors-jeu qui est un petit peu limite de Calderon. Le ballon au fond des filets. Et Calderon se fait réprimander par l'arbitre. C'est vrai que c'était limite. Henri Zambelli. À côté de lui, Cézniak, mais il préfère trouver devant la tête de Germain. Et finalement... Polagnoc pour le Paris Saint-Germain avec Janol qui tente de trouver devant en personne parce que c'est Laura qui va récupérer le ballon, mais Laura va subir le pressing de Christian Pérez derrière lui pour Lemot. Henri Zambelli à nouveau Lemot devant Xurem, mais il ne se passera rien et Jean-Yves Lemot pour l'US Orléans va pouvoir dégager son camp.
Un petit coup franc. Et Henri Zambelli est là pour calmer la maison. Joël Germain. Il a trouvé là-bas sur le côté. Soyez. Et une attaque orléanaise. Ah, c'est pas mal fait. C'est peut-être en retrait, mais c'est finalement les Parisiens qui vont pouvoir se dégager. Avec Oumar Sen qui a très bien trouvé et Christian Pérez. En jeu. Oui, oui. C'était le cri du cœur, mais c'est vrai. Hors jeu de Safet Soucich sur cette passe de Christian Pérez. Henri Zambelli pour Laura. Martial Cesnéac. Devant lui, Langers. Langers, il va avoir un sacré duel à livrer. Elle est l'une des meilleures charnières centrales du football français. Calderon. Et Laura qui va pouvoir récupérer. Laura, on le voit beaucoup à l'US Orléans ces derniers temps. Joël Germain. Mais c'est Oumar Sen qui se retrouve peut-être en position du ballon. Et c'est finalement Gérard Baconnier. Avec Langers qui rate sa tête, elle était très haute. Et les Parisiens avec Jean-François Charbonnier vont pouvoir se dégager. Ça bouge pas beaucoup pour le moment. Sen. Charbonnier. Tête de Xereb. Cesniak. Laura. Laura a un bon ballon d'attaque, mais c'est finalement Pilorget qui a le dernier mot. Calderon. Entre 3 Orléanais, mais il a trouvé Cesniak. De l'autre côté, on change avec Soyer. Oh là là! C'était quoi ce oh là là, Olivier? Malheureux, si je pense que s'il y a passe là, Joël Germain se retrouve seul face à Bat. Jean-Yves Lemot qui a failli sortir un peu loin. Enfin, il récupère facilement. Laura qui a appelé le ballon sur le côté. Et c'est Zambelli qui va le récupérer. Cesniak. Ça se passe pas trop mal, hein, Olivier, pour le moment. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'affoler. Aucune raison. Essayer de prendre, d'avoir le monopole du ballon et du jeu. Par la suite, créer contre-attaque. Et pourquoi pas marquer de but, un but. Tête de Charbonnier, c'était avec récupération pour Orléans, mais Laurent n'y a pas cru. Sur ce ballon de Gérard Baconnier. Très présent au milieu de terrain, Gérard Baconnier. Charbonnier avec lui, Pilorget. En face de lui. Oh, Pilorget, il tarde un petit peu, mais finalement, Libar laisse pour Bat. Joël Bass demande à tout le monde de monter. Il prend son temps pour dégager très très loin. Christian Pérez avec Xereb. Ah, ils se trouvent quand même relativement bien, les deux attaquants parisiens. La faute est donnée à Gérard Baconnier, c'est un peu sévère. Et Safet Soucich, un petit peu loin. Il a trouvé Polagnoc, mais l'arbitre demande à rejouer. C'est Calderon qui pose le ballon. Ouh là là, c'était bien bien juste avec cette arrivée de Janol. De Janol. Et le mot a laissé filer en touche, enfin en sortie de but. Cesniak sur le côté. Finalement, le ballon va loin et au milieu. Soucich devancé par Stéphane Béas. Et le ballon récupéré par Orléans directement dans les mains de Jean-Yves Lebeau. Long dégagement et tête de Charbonnier. Laura. Face à lui, Charbonnier. Langer s'est cru hors jeu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est revenu, c'est dommage. Mais de toute manière, le ballon était sorti. Ouais, je pense, sorti en touche. Charbonnier. Il cherche un partenaire démarqué, il a trouvé Soucich.
qui n'était pas tellement. Sen qui va pouvoir tourner certainement avec Polagnoc là-bas. En deux temps, Calderon d'abord. Cherche un appui Calderon. Il a du monde à côté de lui, Charbonnier. Et derrière, il y a Pilorget. Charbonnier préfère s'enfoncer. Et c'est Didier Boyer qui remonte. Didier Boyer qui a fait beaucoup de progrès et qui maintenant souvent lance les attaquants orléanais avec le rat. Ils sont à 3 contre 2. C'est une très bonne opportunité pour l'USO, mais ça ne va pas assez vite. Le rat qui crochette pourtant, c'est bien joué. Le centre est contré une première fois par Janol. Et cette fois, c'est Libar qui peut dégager pour le PSG. Avec Soucich. Oui, hors-jeu de Dengue Djereb. Alors, c'était une belle occasion pour l'USO, cette attaque de Laura. 3 contre 2, il fallait aller vite. Rondement Meunier, oui, par l'intermédiaire de Simon Boyer. Je pense qu'il écarte bien Manuel sur le coup. Et... bon centre, mais enfin... Christian Pérez, fauché par Marcel Cesniak. Repris à l'ordre. Quant à Baconnier. Là, c'est Laura qui renvoie le ballon. Et Charbonnier. Henri Zambelli. Et finalement, le ballon dans les bras de Jean-Yves Lebon. Zambelli. Janol battu de la tête. Et c'est Langers. Ah, une talonnade, mais Jean-François Charbonnier avait bien senti le coup. Michel Bibar. D'autre côté, Polagnoc. Zvereb, mais Lemo va sortir. Une belle sortie de Lemo, juste devant Zvereb. Et le ballon dégagé très très loin en direction de Bibar qui laisse sortir en touche pour Joël Bat. Janol. Charbonnier sur le côté ou Marseille aussi. Oh là. Ils se sont regardés avec Michel Bibar ou Marseille. Il faut dire que le ballon était exactement à mi-chemin entre les deux. Stéphane Béas. Langers. Non, c'est Poucan. Béas. Et Germain qui était hors jeu. Mais ça prouve que l'USO a des possibilités offensives, hein, Olivier. Tout à fait, oui. On développe un bon jeu là. Je pense que bon, il y a des possibilités offensives. Avec notamment Joël qui bouge énormément sur tout le front de l'attaque. Joël Batz, gardien de l'équipe de France qui va pouvoir dégager dans le camp orléanais. Ça fait Soucich, c'est trop court. Zvereb lui parvient à récupérer devant Simon Boyer. Et ça fait Soucich en position d'ailier droit. Un crochet, un très beau crochet, un centre au deuxième poteau. Il y a Christian Pérez au deuxième poteau. Amorti de la poitrine, crochet intérieur. Oh, quelle sortie de Lemo. Ah, c'était bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Ça fait Soucich qui trouve au deuxième poteau Christian Pérez. Christian Pérez qui revient vers l'axe. Qui revient dans l'axe. Et finalement, Lemo qui récupère le ballon. Cesniak. Oh oui, Germain pour le rat, mais c'était un petit peu olé olé. Ah, en un seul crochet, le Paris Saint-Germain est capable quand même de créer des occasions. De se créer des occasions. Ou Marseille. Surtout pas leur laisser le moindre espace. Langers pris par Oumar Sen. Oh, il y aurait une faute de Janol. Ça ne m'aurait pas étonné. En tout cas, Laura. Langers avec Laura, c'est très bien joué. Et c'est Christian Pérez qui vient descendre et qui concède un corner. Il y avait trois Orléanais à la réception de ce centre, à savoir Langers, Germain, Soyez. Et Soyez contre deux seuls Parisiens, Janol et Bibar.
Et si je vous dis que c'est en plus c'est Christian Pérez qui défendait devant Laura, Paris Saint-Germain était un petit peu dépassé. Sortie de Joël Batz sur ce corner et prise impeccable. Il aimerait bien que ça monte plus vite, Joël. Et vite. Ah, c'est Sniak qui rate le ballon. Oula, et qui a failli le prendre avec Zambelli. Faut se parler sur ces coups-là. Allez, c'est pas grave. Pour partir en avant. Jean-Yves Lebeau, loin devant. Langers. Contrôle orienté de Langers, mais un petit peu long. Qui profite à Janol. Janol qui relance dans le trou sa fesse sous Sich. Mais qui a perdu le ballon. Et c'est Baconnier qui le lui a pris. Sur le côté, là-bas. Les Orléans. Oh, c'est bien joué. Non, non, faute de main. Près de 20 minutes de jeu, toujours à 0 à 0. Et finalement, une physionomie assez partagée. Tout à fait, oui. Calderon. Avec quand même cette impression que le Paris Saint-Germain peut faire la différence plus facilement qu'Orléans. C'est normal. Tout à fait normal aussi, également, bien sûr. On a vu Suzic, bon, qui a crocheté Stéphane Béas sur un centre. Bon, vous l'avez relaté tout à l'heure. C'est Calderon qui est blessé, oui. On discute beaucoup autour de l'arbitre. Et le soigneur de l'équipe du Paris Saint-Germain, alors que le score est donc toujours de 0 à 0, qui rentre sur la pelouse. Simon Boyer en discussion. Faut pas traîner par là, Simon Boyer. Calderon a l'air d'être blessé à la cheville gauche. Henri Zambelli, oula, on s'énerve un petit peu quand même. Quentin Léanais, il faut dire qu'entre concentration, envie de gagner, tout ça, on est à la limite. Hein. C'est comme à ça qu'il dit Caroline Crémer. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'on est tendu, surtout Simon, Simon Boyer qui prépare son match, qui vit son match déjà 48 heures à l'avance. Et Calderon qui sort en boitillant. À la demande de l'arbitre, de façon à ne pas interrompre la rencontre plus longtemps. Les Parisiens donc à 10. Et ça fait de soucis. Faire attention également au coup de pied arrêté. Oui, il est un peu loin là quand même encore. Ouais, tout à fait. Enfin. Ils ont de très là, bons joueurs de tête. Oui, notamment voilà. Bibar qui monte là. Et qui est monté au deuxième poteau. Et on se rappelle qu'à Brest, on avait pris un but comme ça. Effectivement. Hein. Christian Pérez qui a tenté de passer dans l'axe central, n'y est pas parvenu. Et les Orléanais qui repartent, cette fois-ci c'est Langers qui a le ballon. Oh là, c'est pas très bien joué, il faut dire qu'il a glissé au départ du ballon. Hein. Je pense qu'il voulait faire un changement d'aile sur Manuel Laura, il a glissé au moment de la frappe de la balle. On retrouve Janol qui rate complètement sa passe. Les Parisiens sont quand même moins impressionnants qu'on pouvait le penser. Avec un démarrage de Baconnier. Joël Germain. De Germain, pardon. Et un centre où Lang... Oh ! C'est dégagé n'importe comment. Et c'est Poucan. Qui tire assez nettement dessus. C'était pas facile. Il a été dépassé par le ballon. Mais ça prouve que la défense du Paris Saint-Germain a quand même dégagé dans l'axe faiblement. Et on sait qu'en football, des fois, ça ne pardonne pas. Joël Batz. Qui joue dans le trou, à la lutte. Simon Boyer, Daniel Zvereb. Et la touche est au bénéfice du Parisien. Calderon qui est encore en train de se faire soigner. Ce
C'est bien joué ça pour ressortir le ballon. Oumarsen n'a pas fait de faute. Et c'est Bibar qui part. Mais il est parfaitement stoppé. Soyez. Par Soyez. Comme quoi si Christian Pérez sait défendre sur le flanc gauche, eh bien Soyez aussi. Et je pense que Calderon va préparer sa rentrée. Et voilà qui rentre sur le terrain là-bas tout au bout, devant une pub de boissons gazeuses. À nouveau sous Sich pour un coup franc au deuxième poteau et une tête de Janol tout seul. Bien isolé Janol. Mais le ballon au-dessus. Et Jean-Yves Lebeau qui va dégager son camp. On pourrait peut-être en profiter si on peut trouver Frédéric Deschamps pour avoir le point après 25 minutes de jeu avec Caroline Kremer. Frédéric. Pour le moment. Le ballon va sortir en touche. Non, pas encore. Marcel Ciesniak. Voilà, en touche. Frédéric avec Caroli. Oui, Caroli, 25 minutes de jeu bientôt. Vos premières impressions sur ce début de partie? Je crois que le jeu est équilibré. Les Parisiens sont un petit peu plus dangereux, peut-être, à quelques occasions. Mais on a créé aussi deux bonnes possibilités. Et je crois que c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Vous semblez avoir fait le plus dur avec cette première demi-heure de jeu? Non, le plus dur reste encore à faire, certainement. Et hors jeu, merci Frédéric. Et merci Caroli. Et hors jeu de Xerep. Et toujours donc après environ 23 minutes de jeu, toujours 0-0. Les Orléanais à l'attaque sur le flanc gauche avec Soyez. Soyez, il a du mal là. Il va peut-être s'en sortir quand même. Non. Il y a eu un double tirage de maillot. Alors est-ce que l'arbitre... La première faute orléanaise. Oui. Pilanget. Mais il ne trouve que Béas. Qui lui dégage pour la tête de Bibar. Où Marcel aura du mal à récupérer. Mais grâce à un relais de Soucic, il y est parvenu. Et cette fois-ci, c'est Charbonnier qui a le ballon. Soucic encore. Et Soucic a eu un peu de chance de... Et le ballon sort. Soucic qui était face à Béas a eu un peu de chance de passer. Hein. Tout à fait, ouais. Il avait raté son double contact. Il faut en profiter parce qu'il ne va pas en rater beaucoup. Jean-Yves Lebeau, loin devant, mais pour la tête de Bibar. Ça fait Soucic à nouveau. Mais Dieu sait si Joël Germain monte très haut de la tête, mais Bibar, ouais. Je pense que dans ce domaine-là, est impressionnant. Ça fait Soucic qui, à mon sens, avait perdu le ballon à la régulière, pourtant a réussi à la récupérer grâce à l'arbitre. Simon Boyer a réussi à dégager son camp. Oh, c'est bien joué ça. Et ça va devant. Le rang est un peu court. Et c'est Oumarsen qui récupère, mais il n'a pas beaucoup de possibilités, Oumarsen. Sinon Calderon, Soucic, mais Soucic devancé par Boyer. Charbonnier, Baconnier et Henri Zambelli. Pour le mot. Ah, Henri Zambelli, il a apporté beaucoup à l'USO. Hein. Tout à fait, métier. La stabilité, son expérience. Et le voilà encore de la tête, mais cette fois-ci il a mal relancé. C'est Calderon qui a récupéré, pas pour longtemps. Il suffit qu'on parle de lui pour. Coucan. Ah, c'était pas mal vu dans le trou quand même, mais Langart n'y a pas cru. Il faut être un peu plus opportuniste devant, et je pense que bon, ben. Manque plus que ça. Hein. Charbonnier qui traîne un petit peu avant de dégager. Il Orget. Oumarsen. Il Orget qui monte aux avant-postes. Janol aussi d'ailleurs. Janol qui lance sa fête sous Sich. Le mot est sorti, ça va finir en touche, je pense. Oui. Là, il n'y a pas de question à se poser. Bien joué. Jean-Yves Le mot a pris la place du libéro et est sorti comme un joueur de champ. Calderon. Et un nouveau Soucic qui se jette parfaitement en avant, mais ça n'a pas du tout impressionné l'arbitre. Et le ballon dans les bras, plutôt dans les pieds de Jean-Yves Lebeau.
Dégagement à la réception. Joël Germain, cette fois-ci, il a eu le dessus sur Bibar, mais le ballon a profité à un Parisien, à savoir Christian Pérez, et finalement Oumar Sène. Ah, c'est bien, Simon Boyer. Oh, dis donc, un petit peu sévèrement contré par Charbonnier. Et ça profite au Paris Saint-Germain. Il a bien fait de se jeter là-dessus, Béas, parce que Soucic était bien seul face au deuxième poteau de Lemo. Encore le crochet de Soucic. Cette fois-ci, ça va sortir. Et non, et c'est Henri Zambelli, au prix d'une énorme envolée, qui envoie le ballon en touche. Calderon, sur son pied gauche, tente un crochet. Oh, l'arbitre est un petit peu sévère. Carton jaune à Bruno Poucan. J'aurais plutôt pensé que la faute était bien partagée. Litigieux, là, oui. Alors, c'est important pour deux choses. D'abord parce que c'est un coup franc qui est dangereux. Entre autres. Et surtout parce que Poucan prend un carton. Et on sait combien maintenant dans le football les cartons sont importants. Et sur les fenêtres. Plus d'expérience. On entend Joël qui rit. Comme quoi, on peut être suspendu et avoir de l'humour. Jean-Yves Lemot, qui demande du monde derrière parce que c'est probablement au deuxième poteau que ce coup franc va finir sa course. Finalement, il est passé devant le but. Personne pour la réception, sinon un Orléanais. Oh là là, une mauvaise relance. Et finalement, là-bas, c'est Xureb qui se met sur son pied gauche. C'est pas le meilleur. Ça fait de soucis, à tenter un 1-2 et le ballon. On s'est bien dégagé de la part de Zambelli parce qu'il est tout seul. Et il y a du monde devant. 5 Orléanais contre 3 Parisiens. Mais ce sont maintenant les Parisiens avec Pilarget qui ont le ballon. C'est malheureux, on négocie mal les balles de contre-attaque. Calderon, revenu très en arrière chercher ce ballon. À sa droite, Polagnoc. Et devant lui, Zvereb. Il se retourne bien et à nouveau faute. Il faut dire que les Parisiens tombent facilement dans le jeu de marquage d'Orléans et il suffit de tomber et comme on est toujours à la limite et eh bien d'un côté ou d'autre eh bien, ça amène des coups francs. Un très bon ballon de Soucic pour Sène, centre en retrait de Sène mais contré par Zambelli et le ballon sort donc en corner pour le premier corner parisien. Un corner partout, 0-0, presque une demi-heure de jeu. Calderon pour le corner. Et une tête plongeante et un tir de Xvereb. C'était une tête plongeante de Christian Pérez. Et le tir de Xvereb passe très nettement à côté. Il aurait peut-être dû se mettre sur son pied droit, Daniel Xvereb. Dans ce cas-là, du coup, dans ces conditions, c'était pas facile. Il voulait peut-être aller vite. Le mot. Qui va dégager ce 6 mètres. Il faut dire qu'un bon résultat au Parc des Princes de l'US Orléans, si on restait comme ça, nous amènerait une sacrée soirée samedi prochain au stade de la Source. Et l'arbitre qui continue à ne pas satisfaire le public des supporters orléanais. Janol. Pérez, Janol. Et belle sortie. Ah, être le plus remis sur le ballon. Ah oui, 4 contre 3 avec un ballon pour Langers peut-être, oui. Ah, il lui met derrière. C'est dommage, c'est devant qu'il fallait donner ces ballons-là. Langers. Un bon ballon là-bas. Ah, mais c'est Joël Basse qui sera le premier. Ça fait de soucis à la réception. Mais un contrôle du tibia, ça n'a jamais été très évident. Charbonnier, Calderon. Pérez qui part dans le trou, Soucic en appui, et c'est Soucic qui a le ballon. Polagnoc là-bas, mais le ballon n'arrivera pas. Vite. Poucan. Et comme dit Olivier, vite, vite. Joël Germain sur sa gauche, et Langers au centre. Ah, on s'est un peu compliqué la tâche, je pense que le ballon devait arriver d'abord à Joël Germain. Hein, soyez, c'est un peu compliqué là. C'est vrai. C'est pas facile quand on fait des gros efforts de rester toujours, toujours lucide. Un grand effort, il venait de le faire. Bibar pour la remise en jeu.
devant lui Soucic, Ouxerain ou Calderon. Et c'est Calderon. Calderon qui rentre dans la surface de réparation, dans le coin. Centre au deuxième poteau, tête de Soucic, mais elle sera trop haute. Le mot a bien accompagné le ballon. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien pour l'USO. Le temps joue en notre faveur. Mais est-ce que Paris Saint-Germain n'a pas les moyens de gagner à la source aussi? Tout à Je fait. Crois que... Tout à fait aussi. Ce sont deux matchs très difficiles pour l'US Orléans. Mais ils ne sont pas perdus d'avance. Allez, il faut la donner là-bas. Faute de scène. Simon qui veut aller vite, mais il ne faut pas aller vite. Alors sur la pelouse, c'est GG, non? Oui. Savoir. On connaît également sous le pseudo de Bako. Et là, c'est GG qui rentre. L'ovation pour Gigi qui a connu déjà ce stade-là en 80 lors de la finale de la Coupe de France. Ah oui, c'est un des vieux du vaisseau alors. Pas le plus vieux. Hein. Sur le terrain à l'heure actuelle. Bako va pouvoir se relever. L'arbitre interdit le débit de boisson. Poucan se fait réprimander. D'autant qu'il n'était pas content que l'arbitre le prive de boire. Henri Zambelli qui va pouvoir remettre l'attaque de l'US Orléans sur orbite. Alors ça bouge beaucoup. Germain. Oh, un très mauvais contrôle. Un très mauvais contrôle de François Charbonnier. Et c'est là qu'on voit que Langer, c'est un joueur opportuniste qui était là pour récupérer ce ballon à 8 mètres du but de Joël Batz. Eh bien, Robbie Langers. Et le ballon est passé au-dessus du but. L'avancante, le buteur. L'inspiration. Ah, Joël Batz a dû se faire une petite frayeur là. Janol. Et le pressing orléanais est de plus en plus tôt sur le terrain. Alors là, comme dit Olivier, oh non. Et c'est vrai que cette faute n'était pas du tout évidente. Et il faut reculer, monsieur Janol. Côté de Lippi Lorget. Voilà, ce sera plus simple. Tout au bout là-bas, Polagnoc. Calderon plus près et également. Germain et Langers. Et la balle va sortir. Langers aurait bien voulu bénéficier d'un coup franc qui n'aurait pas été plus scandaleux que celui qu'on a sifflé tout à l'heure. Il en jette. Avec Charbonnier, mais finalement c'est Germain qui va récupérer le ballon. On pensait qu'il allait changer, mais il repart côté fermé. Et c'est un très bon ballon pour Manu Lera. Manu Lera qui revient sur lui-même. Germain qui est... Le ballon est contré. Et un Orléanais aurait donc fait une faute de main, à savoir Bako, qui n'était pas évident. Non, effectivement, il y a eu une faute de main, mais enfin, je pense que Pilorget a poussé Baconnier sur le coup. Donc, c'était dans la surface alors. Enfin, pas jusqu'à là. Janal, Bibar. Ah, il a pris Perez à contre-pied. Et l'arbitre se... J'ai l'impression que l'arbitre se plie à toutes les exigences parisiennes, à savoir que bon, bah, il suffit de demander un coup franc pour l'avoir. Et c'est quand même pas de très bon augure pour la suite. Ils tombent dans leur jeu, ouais. Soucic qui trouve un Orléanais sur sa route. Le deuxième Orléanais, c'est Langers qui évite tout Marseille. Cesniak est parti. Un bon ballon par Cesniak. Devant lui, Christian Perez. Il y a deux Orléanais au deuxième poteau. Oh là 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 là. Et une balle au deuxième poteau. Mais finalement, Cesniak, je crois, avait fait le plus dur. Avait fait le plus dur parce qu'il éliminait Christian Perez de cette façon. C'est malheureux. Ça ne va pas arriver souvent. Et après, ça l'a peut-être un peu déconcentré. Et Joël Batz, je vous prouve, croire, n'est pas content du tout. Et on va finir par se dire que l'équipe qui s'est créée les meilleures occasions, eh bien, ce sera peut-être l'USO.
Cisniak le premier. Germain pour Langer, c'est à la limite du hors-jeu. Et puis Langer. Gros ballon. Et on sent cette équipe du Paris Saint-Germain qui a du mal à trouver ses marques. Relativement fébrile, à l'image de Pilorger. Oui, pourtant c'est quand même une des meilleures défenses françaises. Hein. Enfin, je pense que c'est le bloc. C'était donc une faute de Billard qui va nous amener un coup de pied arrêté. Pour un centre au deuxième poteau, il y a Cesniak. Il y a Simon. Et finalement, c'est Charbonnier qui a mis le ballon au-dessus. Pour le deuxième corner en faveur d'Orléans. Alors le premier, on avait vu une très belle sortie de Joël Batz. Et les supporters de l'USO en face à nous qui y croient. Le rat pour ce deuxième corner. Langers qui est parti au premier poteau. C'est lui qui va récupérer le ballon. À nouveau pour le rat. Langers. Ah, il a un petit peu dévissé son tir du gauche. Soyez. Et finalement, ce sera une touche. On rentre dans la surface de réparation. Deux crochets, mais cette fois-ci le ballon sort. Sous la pression de Paul Agnoc. Et Joël Batz va pouvoir donc dégager son camp. Paul Agnoc. Pilorget. Calderon. Loin devant pour Susic. Qui va arriver le premier? C'est Zambelli pour la mettre dehors. La différence, c'est que Zambelli est déjà replacé et que Susic vient à peine de se relever. Susic à l'entrée de la surface de réparation. Toujours la tête levée. Oh, Xuereb était bien placé, mais hors-jeu. Je pense qu'il était hors-jeu. Heureusement d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Henri Zambelli pour tirer ce coup franc. Il ne cherchera pas Cesniak. C'est le mot qui va trouver Cesniak. Christian Pérez qui vient voir. Il s'approche pas trop, Christian, depuis le petit pont tout à l'heure. C'est vrai, étouffé Pérez, tout comme Susic avec Stéphane Béas. Et c'est pourtant pas facile. Et c'est pourtant pas facile. Alors vous qui avez assisté évidemment à ces mises en condition de Caroline Kremer, c'est quelque chose. Hein. Moi j'ai eu l'occasion d'assister à celle de Brest. Et c'est vrai que c'est un grand monsieur du football. C'est vrai. Parce que pour motiver des joueurs qui sont sur la pelouse, il a des petits secrets. Langers a laissé filer. Baconnier qui remet. Oh, c'est très bien joué de la part de Germain Langers tout seul. Et puis le but. But de l'US Orléans après 40 minutes de jeu. Un but formidable de Langers. Joël Germain, de la tête, a réussi à passer le ballon par-dessus la défense orléanaise. Batz est furieux et Langers dans le coin. 1-0, Olivier Trassard, c'est extraordinaire. Extraordinaire, tout à fait, ouais. J'en trouve pas mes mots. On va essayer de demander à Frédéric Deschamps d'aller faire un tour vers Caroline Kremer, qui va peut-être avoir du mal à rester aussi calme que d'habitude. Caroline, votre flegme va peut-être vous faire défaut après ce but de l'USO et de Roby à quelques instants de la mi-temps. C'est bien pour vous, c'est l'idéal. Oui, c'est très bien, mais nous méritons, je crois, parce qu'on avait une terrible occasion avant et ce n'est qu'une récompense. Vous êtes heureux, là, vous m'aviez dit avant bien le match. Je suis content, mais le match n'est pas fini et ils sont extrêmement dangereux au contre. Extrêmement dangereux avec Christian Pérez en position de hors-jeu et Jean-Yves Lebeau. C'est formidable. Ah oui, alors là, Zambelli. Déjà marqué un but à l'extérieur, c'est formidable, ah oui. D'autant plus contre le PSG. Alors Olivier Trassard qui s'était montré jusqu'à présent assez discret dans les commentaires, là d'un seul coup, il s'est un petit peu libéré. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce qu'il a des choses intéressantes. Alors c'était sur une balle comme ça que Germain a réussi à prendre le dessus. Et c'était plus important tout à l'heure que maintenant parce que Langer c'était tout seul devant le but. Janol, ça peut déstabiliser une équipe de Paris Saint-Germain qui a du mal parce que c'est pas facile quand on joue en première division des fois de se modifier
de se motiver vraiment pour rencontrer une équipe de deuxième, même si c'est un huitième de finale. D'autant que le Paris Saint-Germain, on le sait, joue également pour le titre, même si c'est très difficile pour lui maintenant avec ce point de retard sur Marseille, ce déplacement à Marseille qui est prévu dans quelques temps. Avec Langers maintenant, il faut que les Orléanais mettent le ballon dans le camp parisien. Ça, c'est la tactique Kremer. Il faut jouer chez l'adversaire et le garde. Calderon, Seine. À nouveau Seine. Charbonnier. Oh là là, il a failli en perdre son maillot, Charbonnier. Fait une séance de striptease, il s'énerve, Charbonnier. C'est animal et il va prendre un carton. Tout à fait logique. Non, non, l'arbitre appelle les deux joueurs, il n'y aura pas de carton là-dessus. C'est pas normal. C'est là qu'on voit que la qualité des maillots des équipes de première division est solide, est intéressante. On demande de se calmer. Mais en réalité, c'est plutôt à Charbonnier de se calmer parce que c'est le Paris Saint-Germain. Et c'était donc Manuel Lora qui faisait la pression. Henri Zambelli qui a touché le ballon, et c'est ça qui est important. Oh là là, Langers, avec le mot, il aurait peut-être pas dû la toucher, lui. Mais il faut se parler. Exactement, moi je pense que c'est au grand le mot de lui parler sur le coup là. Il a rajouté le mot, mais en réalité on l'appelle le grand, lui. Voilà, c'est ça le grand. Pour vous qui ne savez pas, ah, ce rush de Poucan, on aurait dit Piazza. Et l'arbitre donne la faute au Paris Saint-Germain. Ça fait pas plaisir aux supporters, ça non plus. En tout cas, c'est Alain Polagnoc maintenant qui récupère le ballon. Devant lui, Calderon. Calderon, beau manieur de ballon. Et un très très beau ballon sur le côté là-bas pour Polagnoc. Mais Henri Zambelli veille au grain. Et le ballon sort en touche. Tout à fait, Soucis très bon placement. Soucis qui la demande ce ballon. Calderon maintenant. Avec Polagnoc. Oh, c'est un contre-heureux, mais finalement c'est un Orléanais qui a sorti le ballon. Soucich, il faut faire tourner maintenant. Et ça va certainement revenir derrière, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et derrière, c'est Pilorget. Et on a failli se mélanger avec Janol et un départ de Christian Pérez hors jeu. Ou du moins, c'est ce que signale l'arbitre. Henri Zambelli pour Jean-Yves Lemot et il reste environ un peu plus de 2 minutes à jouer, à peine. Encore une faute orléanaise qui n'était pas évidente. En revanche, celle de Xverev de l'épaule me paraissait moi plus significative. Charbonnier qui cherche du monde, il a trouvé Christian Pérez. Christian Pérez face à Cesniak. Et Cesniak, pour une fois qu'il est passé, fait la faute. Il faut savoir que, comme d'habitude, donc Christian Pérez n'est pas passé. Il ne faut pas faire trop de fautes quand même. Et ouais. Une faute sur Bruno Poucan, Calderon. Ouais, ouais. Et encore une et faute. Une faute de Janol. Faute de Janol. L'arbitre ne maîtrise plus rien là. Et le ballon va sortir en touche parce que les Parisiens, sentant le match leur échapper, s'énervent. Et les Orléanais ont du répondant. Et c'est pas Henri Zambelli qui va calmer les Parisiens parce qu'il sait qu'une équipe énervée est de toute manière moins bonne. Tout comme Janol et Henri, je pense que de caractère impulsif. Oui, oui. C'est celui qui reste sur le coucher. Bruno Poucan, je c'est pense. C'est Bruno Poucan, oui, il me semble aussi. Il n'y a pas un coup de coude par Calderon quand il est passé. Je ne sais pas si ça a été fait volontaire. Ah, on veut toujours se libérer du marquage, donc on a beaucoup de coups de coude. Ah, oui. tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc on joue un petit peu des coudes et des fois, c'est vrai que le coup de coude peut faire beaucoup plus mal. Je sais pas si ça a été fait volontairement, non, je pense pas. Non. Non, surtout qu'en bon sens, Calderon a d'autres moyens ouais, que cela. Alors là, on voit boire Joël Germain, l'auteur de cette passe extraordinaire de la tête. À Langers, un but qu'on reverra avec beaucoup de plaisir plusieurs fois. C'est promis. Au début, c'était Jean-Baptiste Bordas, ex-Stéphanois et actuellement entraîneur de l'USO avec Caroline Kramer.
comment on vit quand on est joueur, justement, le double entraînement comme ça, le double entraîneur? Bon, c'est déjà eux de bien le vivre. Mais enfin, je pense que bon, bah, tout se passe bien pour le moment. Et... c'est Sen qui a récupéré le ballon avec Paul Agnoc là-bas, face à Soyer. Il va la remettre derrière Paul Agnoc parce qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup de solutions. Michel Bibar. Oh, Bibar. Et Sen a beaucoup de chances de récupérer le ballon. Il s'est un peu aidé du bras. Et là-bas, Paul Agnoc en position d'ailier droit. Mais Henri Zambelli va peut-être trouver la touche. Il la trouve. Très efficace, Henri Zambelli. L'homme de métier qu'il fallait à cette défense d'Orléans. Ça fait Soucich. Qui parvient à se retourner. Il est sur son pied gauche. Il a Sen à côté de lui. Christian Pérez qui démarre. Et le ballon détourné de la tête par Simon Boyer. Directement pour le mot. Et l'arbitre fait donc jouer la minute d'arrêt de jeu depuis une minute. Donc, à savoir que, voilà. Voilà. Fin de la première mi-temps. Donc, une première mi-temps qui fait plaisir, Olivier Trassard. Ah, tout à fait, qui fait énormément plaisir. Bon, bah, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer aussi dans le jargon du football. Mais bon, bah, rester serein et continuer à progresser de telle sorte. On voit Henri Zambelli qui rentre, on voit donc tous ces joueurs d'Orléans qui nous ont fait très plaisir. On se retrouve donc dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. 0 pour Orléans, c'est la fête ici. Qui aurait pu penser donc à ce résultat? Avec donc cette équipe d'Orléans qui est déjà sur le terrain et l'équipe de Paris Saint-Germain que l'on voit arriver maintenant, un petit peu désabusée mais certainement très motivée pour pouvoir revenir au score. Dans quelques instants, le début de cette deuxième mi-temps, Olivier, c'est pas vraiment un miracle quand même. Non, je pense pas, puisque bon, je pense qu'on aura eu le monopole du jeu et le monopole du ballon certainement plus longtemps que le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est pas un miracle d'avoir marqué. Alors, on regarde si tout le monde est là. Il me semble qu'au Paris Saint-Germain, eh bien, tout le monde est là. Et à l'USO, c'est pareil. Engagement donc avec le ballon directement pour Zambelli et pour Lemo. Alors là, Orléans est quand même dans une situation un peu difficile. Parce qu'à savoir, mener 1-0 à l'extérieur, c'est pas toujours facile. Parce que est-ce qu'on doit jouer chez soi, c'est-à-dire dans son camp, et attendre que le Paris Saint-Germain vienne, ou est-ce qu'il faut continuer à se créer des occasions, etc. Et ça a toujours été un peu le problème des footballeurs. Avec donc Soyer, mais qui perd le ballon devant Sen. Soucich, lui, le perd sous la charge de Béas. Et finalement, c'est Poucan qui... Oh là là, Soyer qui tacle bien. Et le ballon qui va sortir au bénéfice du Paris Saint-Germain avec Michel Bibar. Soucich. Soucich qui perd le ballon. Il a perdu beaucoup de ballons, Soucich, et il fait une faute. Il fait une faute sur Soyer. Et Soucich en plus n'est pas content. Bon, Soyer a pris un coup sur la cheville gauche. Mais pour rien au monde, Soyer, s'il est un petit peu blessé, ne sortirait de cette rencontre parce que c'est vraiment... Et on rencontre qu'à Orléans, on ne veut pas marquer. Et de plus, si l'USO mène 1-0, on voit être de la fête. Le joueur le plus tendu avant la rencontre. Oui, surtout que c'est une rentrée un peu inattendue, non? En plus, oui. Poucan, loin devant. Joël Batz. Il a parlé, Joël Batz, là. Ça s'est vu parce que... Tout le monde s'est écarté. Oui, on a vu Jalol. Et puis, d'un seul coup, plus de Jalol. Christian Pérez. Charbonnier, Christian Pérez. Position d'ailier gauche, il est tout seul, il va pouvoir ajuster son centre au deuxième poteau. Il y a Calderon de la tête, le ballon est dégagé. Et finalement, Henri Zambelli qui était parti pour contrer. Christian Pérez parvient à récupérer. Henri Zambelli contré par Pérez. Et finalement, le ballon dans les pieds orléanais. Et on va pouvoir contre-attaquer, mais pas longtemps. La balle étant sortie. Germain n'ayant pu éviter la touche. Zvereb. Zvereb, contré. Charbonnier pour Langers. Langers qui va peut-être trouver le mot. Non, il préfère donner le ballon
à Zambelli. Et le ballon, finalement, pour Baconnier. On se mélange un petit peu. Langers le plus vite. Poucan qui récupère. Bibard. C'est un petit peu confus. Polagnoc. Il était hors jeu. Il était hors jeu, Susich, très nettement. Peut-être pas Calderon, mais Susich l'était, lui. Ouais, je pense que c'est Susich. Ouais. Et Zambelli en profite pour lasser sa chaussure. Il n'a pas dû avoir le temps de le faire pendant la pause. De l'autre côté, Cesniak est tout seul. Mais on cherche plutôt devant maintenant à Orléans. Soyez. Mais c'est finalement Polagnoc qui a fait la tête. Et un contrôle un peu lointain de Poucan. Non, c'est pas Poucan. Laura. De Laura, Manu. Mais comme il est à droite et je le vois à gauche, il est partout. Ah, Poucan a hésité, n'a pas pu prendre le ballon. Susich avec Calderon et Langers qui revient. Beaucoup de solidarité dans cette équipe orléanaise. Laura, justement, on le retrouve cette fois-ci en position d'ailier droit. À la lutte avec Charbonnier, mais il n'y a pas faute. Seine. Seine, un long ballon directement pour Cesniak. Langers, qui va tenter d'éviter Seine et qui donne un ballon pour Poucan. Mais finalement, il n'arrive pas. Daniel Zvereb, qui a mis un coup au passage. Et Henri Zambelli, qui s'écarte et qui va dégager loin devant. Simon Boyer n'a pas dû apprécier. Zambelli en fait beaucoup. Faute sur Polagnoc, mais finalement, c'est Michel Bibard qui récupère. Et faute de Soyer. Juste à l'extérieur de la surface de réparation sur Zvereb. Non. Sur Bibard. Qui partait en direction de Lemo. Un coup franc très très dangereux. D'autant que le mur pour le moment est très mal placé vu qu'il est à 3 mètres du ballon. Et que quand l'arbitre va le repousser, on risque de complètement perdre ses marques. Pour le moment, l'arbitre il dit rien. Si. Calderon pour tirer ce coup franc. Deuxième poteau, mais il n'y a personne. Il y a eu un petit bousculage. Cesniak. Au devant avec Laura. Petit contrôle de la tête. Ah, c'est dommage. C'était Janol, c'était Susich, mais Zvereb est hors jeu, très nettement. Et Jean-Yves Lemot ne se presse pas pour chercher le ballon. Quant à Zvereb, il retourne vers son camp. Sixième minute de jeu. Et sur mon téléviseur, quelques petits problèmes. J'espère que vous ne les avez pas. C'est Cesniak sur le côté. Olivier, difficile hein, ce début de deuxième mi-temps. Hein. Difficile, mais enfin, fallait s'en douter. Hein. Polagnoc qui parvient à éviter la pression orléanaise. Calderon a réussi à partir et c'est un très bon ballon de compte. Mais ils sont 3 contre 3. Ça devrait pouvoir s'arranger peut-être. Oh, quelle belle prise de balle de Lemo devant Daniel Zvereb. Extraordinaire. Lemo a fait vraiment une prise de balle nette. Très très net et qui n'était pas facile parce qu'il fallait chercher le ballon presque dans les pieds de Zvereb. Baconnier, Laura. Baconnier, mais c'est finalement Janol qui met le ballon en touche. Cesniak pour faire cette remise en jeu. Et le ballon dégagé, cette fois-ci par Pilorget. Nouvelle touche. Les Orléanais ne se précipitent pas pour la faire. C'est Laura qui va la faire finalement. C'est Cesniak qui vient. Et il la laisse à Cesniak. C'est plus simple. Et on a gagné 40 secondes. Longue touche. Ah, ils ne font pas la loi quand même le Paris Saint-Germain, les joueurs du Paris Saint-Germain. Sur les têtes. Polagnoc. Un peu loin son ballon Polagnoc. Il va être gêné par Langers. C'est un peu étonnant de la part de Polagnoc parce que c'est quand même un bon joueur. Bienvenue, Zambelli. Ouais, oui. Alors il est devant pour marquer, il est derrière également pour contrer. Tout à fait. C'est Cesniak. Et les Orléanais qui posent finalement leur jeu beaucoup mieux que Paris Saint-Germain. Boyer et Poucan. Baconnier sur le côté avec Soyer. Soyez qui feinte le centre du pied gauche et qui va obtenir un corner. Rien à dire.
Belle action. Ça joue bien du côté d'Orléans. Tente sa chance. Simon Boyer, le deuxième poteau. On lève les bras avec Cesniak. Joël Germain. Il y a du monde pour reprendre la balle de la tête. Oh, oh c'était tendu, c'était très bien joué. Finalement, c'est Xuereb qui va dégager son camp. Mais c'est Langers qui réussit à donner un ballon en direction de Soyer. Mais Calderon était bien placé. À nouveau Calderon, après que Joël Bass lui a rendu le ballon. Loin devant pour Xuereb, mais belle intervention de Boyer. Très grand match aussi de Simon. Ouais, pour le moment, ouais, c'est vrai. Pour le moment, tout à fait. Ouais. Calderon. Calderon devant Baconnier. Pilorget qui monte. On n'a pas vu monter beaucoup Pilorget. Oumarsen complètement hors jeu. Alors Pilorget est obligé de garder le ballon. Oumarsen qui est revenu. Récupère le ballon. Le ballon est contré deux fois. Et finalement, c'est Polagnoc qui le récupère sur le côté. Mais le centre de Polagnoc est contré par Henri Zambelli. Deuxième centre de Polagnoc. Et des deux points, Jean-Yves Lemot qui dégage son camp. Et Langers qui va finalement dégager et enlever la pression orléanaise sous les vivas du public ici, même si le ballon a fini en touche. Daniel Zvereb pour Calderon qui rate son contrôle. Il faut dire que le ballon était mal donné. Et les Paris Saint-Germain et les joueurs du Paris Saint-Germain reçoivent les sifflets de la foule. Germain. Un petit pont sur Bibar, mais il n'a pas pu suivre. C'est Sen qui a récupéré le ballon. Christian Pérez, vite, qui veut jouer très vite. Avec Cesniak, Langers, qui a évité. Janol. Baconnier pour Langers. Langers qui renverse magnifiquement le jeu. Et Germain met le ballon au fond des filets en le bambat, qui est furieux. Superbe action encore qui s'est déroulée à partir de la gauche sur la droite. Ah, c'est très bien joué. Je ne sais pas si c'était hors jeu, mais en tout cas, c'était très bien joué. Pilorget, loin devant. Zvereb qui joue bien pour obtenir la faute. Alors qu'il n'y avait pas faute de Boyer. Mais c'est bien fait. Et tous les footballeurs font ça, Olivier. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Calderon, il était hors jeu. Il est parti plus vite. Il y a toute l'expérience qui rentre en jeu dans ces coups-là aussi. Hors-jeu donc de Philippe Janol sur ce coup-là. Et c'est Cesniak qui demande le ballon. Et on demande à Xuereb de s'éloigner un petit peu. Et voilà. Jean-Yves Lebeau qui va pouvoir dégager son camp. Et on joue depuis un peu plus de 10 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, et toujours ce score extraordinaire de 1 but à 0 pour l'USO, but de Langers en première mi-temps. Et à la 40e minute, le meilleur moment peut-être. Cesniak pour une nouvelle remise en jeu. Passe de lui Baconnier. Et finalement, c'est Baconnier qui va la faire cette remise. C'est un coup franc. Deuxième poteau. Et finalement, la balle sort en touche, déviée qu'elle a été par Christian Pérez. Cesniak pour cette touche. Côté de lui, Baconnier, Laura qui vient la chercher, et Poucan. Évidemment, c'est Poucan. Un petit peu bousculé par Sen, mais Laura a récupéré le ballon. Langers arrive à redonner à Laura, et une belle frappe de Langers, sans élan, au-dessus. Le Paris Saint-Germain est un petit peu à la dérive derrière. L'USO ne va pas tout à fait assez vite pour pouvoir vraiment se créer des occasions. Mais c'est quand même bien plaisant à voir. C'est vrai, effectivement. Je pense qu'on a le monopole du ballon. La preuve, regardez encore, Boyer. Il a subtilisé le ballon à Xvereb. Langers, c'est un très bon ballon de contre, ça. Si Langers se dépêche, Soyer, en face de lui, Bibar. Oh là 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 là, extraordinaire. Soyer, un double contrôle face à Bibar. Et un arrière international dans le vent. Beaucoup de culottes dans cette équipe orléanaise. Christian Pérez, autre international. Face de lui, Zambelli. Et un très bon ballon pour Susic. C'était limite, faudra faire attention. Je ne sais pas si le rôle de Zambelli était d'aller charger Christian Pérez. Et on a vu qu'il y avait un trou
Et finalement, on s'en sort avec un hors-jeu. Et je dis on parce que je suis orléanais de cœur. On s'en sort avec un hors-jeu. Finalement, bienvenue. Christian Pérez, qui bénéficie d'une remise de scène. Et finalement, qui perd le ballon. Ah, les Orléanais sont très accrocheurs. Poucan, Lera, et finalement, c'est Calderon qui récupère. Mais la pression orléanaise est toujours très très vive. Charbonnier, face de lui, Cessnia, qui le donne à Calderon. Langers, qui est là pour gêner. Lera, qui se jette sur Pilorget. Cessnia qui se jette aussi. Et finalement, les Orléanais qui partent avec Lera tout seul. Mais Bass est sorti et ça va être une... Oh là là, Bass qui fait une erreur terrible. Il y a Joël Germain tout seul. Joël Germain qui récupère le ballon, point de pénalty, qui va pouvoir marquer. Le deuxième but. Extraordinaire. À la joie des joueurs de l'USO. Quelle erreur de Joël Bass qui n'a pas cherché la touche. Quelle erreur et quel but. Quel sang-froid de Lera qui est allé là-bas vers son public. Lera extraordinaire et Joël Germain, beaucoup de sang-froid et un deuxième but pour Orléans. C'est extraordinaire, j'aimerais voir ce score là-bas. Parce que Paris Saint-Germain 0, Orléans 2, ce n'est pas un rêve. Et pourtant, je vous l'avais dit au début de cette rencontre, j'avais envie de rêver. Et bien là, je ne rêve pas. Olivier, c'est extraordinaire, non? Ah oui, j'en trouve plus mes mots comme le premier but. C'est magnifique. On va essayer de demander à Frédéric Deschamps un petit mot de Caroline Kramer. Caroline, le rêve devient réalité. 2 à 0 après l'heure de jeu pour le Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. C'est un rêve fou. Oh, ne parlons pas de rêve. On est encore trop loin. Il y a encore 30 minutes à jouer. Et il faut être prudent. Mais c'est extraordinaire ce que les gars s'en font. Nous avons un public avec nous. C'est magnifique. Pour le moment, c'est magnifique. Mais c'est loin d'être fini. Merci. Frédéric Deschamps est complètement retourné. Il nous dit que Paris Saint-Germain mène 2-0. Mais c'est complètement faux. C'est bien l'US Orléans qui mène 2-0. Même si Daniel Zverev ici est en position de hors-jeu, c'était un petit peu limite. Et il semble maintenant que les joueurs de l'US Orléans aient pris complètement le match à leur compte, à savoir que les décisions litigieuses sont finalement à leur avantage maintenant. Et c'est pas plus mal. C'est quand même un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre ici au Parc des Princes avec cette équipe de l'US Orléans qui a réussi à marquer un deuxième but à la 15e minute de jeu de cette deuxième mi-temps, à savoir donc la 60e minute, et qui mène maintenant 2-0 contre le Paris Saint-Germain qui n'est rien moins que le deuxième du championnat de France. Frédéric. Oui Steve, avec je crois Guy Adam, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a fait signe à un éventuel remplacement, peut-être la rentrée de Rico du côté du Paris Saint-Germain. C'est révélateur des problèmes que connaissent également les Parisiens à l'heure actuelle. Merci Frédéric, parce que Frédéric en bas veille à tout. Et les Orléanais aussi, ils récupèrent tous les ballons, même si celui-ci est jugé d'une façon litigieuse par l'homme en noir. Et changement demandé par Guy Adam, mais pour le moment l'arbitre n'a rien vu. Et Janol récupère le ballon et finalement... À nouveau, Langers maintenant lancé par Joël Germain un petit peu à l'abordage. Mais Langers va pouvoir garder le ballon, donner un magnifique ballon à Lera. C'est la réponse du berger à la bergère. Mais Joël Bass est obligé de se coucher. Il relâche le ballon et Joël Bass parvient à le récupérer. Je ne peux pas pousser. Oh là 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 là. Ah, je vous prie de croire que si l'USO avait marqué un troisième but, je pense que Olivier Trassard à côté de moi aurait fait encore un bond encore plus prodigieux que tout à l'heure. Il a failli se cogner la tête. D'ailleurs, Joël Batz doit être et blessé. Batz, ouais. Ce serait peut-être blessé. À la fin de cette action, il faudrait voir peut-être du côté des buts du Paris Saint-Germain. Joël Batz est en train de boiter. Ce serait bien, même s'il y a corner, de voir là-bas Joël Batz de l'autre côté. Peut-être que l'arbitre va arrêter. Cessnac montre à l'arbitre. On ne voit rien, on voit le changement pour le moment. Joël Batz lui tient sa cheville. Et c'est donc la rentrée de Rico, comme nous l'a dit Frédéric Deschamps. Corner, Batz boite toujours, mais bon, on s'occupe pour le moment du corner. Et c'est Calderon qui va tirer ce corner. Tête de Béas, le ballon pour Soucich qui donne un magnifique ballon justement à Rico qui venait de rentrer. Et Rico est signalé hors jeu. Les Parisiens contestent. Tout à fait litigieux aussi celui-ci. Ouais, c'était enfin, l'arbitre est sur la ligne. Et on voit toujours Batz là-bas en train de se faire soigner. J'aimerais bien voir l'image de Batz. Joël Bass, le gardien du Paris Saint-Germain, complètement là-bas à gauche, près de son poteau, soigné, l'arbitre n'a encore rien vu. Il n'est pas le seul.
Alors peut-être que le ballon arrivant de l'autre côté, on va voir enfin Joël Batz qui boite dans son but, mais pour le moment, les Parisiens avec Oumar Sen. Et alors on garde l'antenne maintenant, parce que c'est trop tard. Daniel Zverev. Et le ballon récupéré par l'USO. Les Parisiens ne courent plus après le ballon, c'est extraordinaire. Joël Germain a failli passer. Il y a trois joueurs d'Orléans pour récupérer le ballon, mais Calderon parvient à le récupérer. Susich le rate. Zambelli derrière lui, certainement avec le mot. Ah, il attend Zambelli. Il a vu de l'autre côté Cesniak. On a un peu tardé et le pressing de Xerep sera 20. Le ballon pour Lemo. Tête de Bibard, tête de Sen, tête de Christian Pérez et dégagement de Simon Boyer. Pilanger va avoir du mal, il a Langers contre lui, il arrive à la donner quand même à Bibard qui aurait peut-être fait une petite main. Mais Oumar Sen récupère le ballon maintenant. Avec lui Calderon, Calderon, Pilanger sur le côté Rico. Quelle volonté de Soyer là-dessus. Il n'y, a... oh, oh, il n'y avait pas hors jeu. Ça j'en suis sûr, on va pouvoir voir l'image au ralenti. Jeannot le couvrait. Mais Jeannot le couvrait, ça Olivier vous l'a dit, et ça j'en suis sûr aussi. J'ai dit tout à l'heure. Et à côté de moi, on me transmet un petit mot avec marqué finale 89, Beauvais-Orléans. Je ne sais pas si c'est le cas pour Beauvais, mais Orléans en tout cas est bien parti. Ça fait Susich. Ça va être terrible pour une équipe de première division d'être menée 2-0 sur son terrain. Rico, l'homme qui est rentré. Un très bon centre de Rico, il ne faut pas que ça passe. Et pourtant une charge de Charbonnier sur Cesniak. Mais c'est bien joué, les deux joueurs étaient en l'air. Formidable. Mais Martial a gêné et il a réussi à dégager le ballon au corner. Il était un peu court sur ce centre. Calderon fauché à la limite de la surface de réparation. Ah, il ne faut pas que les Orléanais en prennent un tout de suite. Il faudrait qu'ils aient le temps d'assimiler ce but et que les Parisiens se posent un peu plus de questions. Au deuxième poteau, il y a du monde. Il va falloir être très attentif. Langers est revenu aux 18 mètres pour charger Pérez. Et c'est finalement Joël. Formidable. Formidable. Finalement Germain qui est venu faire cette tête et qui en fait une autre. Et Langers tout seul, enfin tout seul, il y a quand même Oumar Sen à côté de lui. Et finalement le ballon là-bas. Et Calderon complètement hors jeu qui préfère sortir de l'autre côté du terrain. Charbonnier qui sait même plus où il en est, hors jeu. Ah c'est bien arbitré quand même pour le moment. Et toujours 2-0. Je ne voudrais pas être présomptueux, mais j'avais dit qu'Orléans marquerait 2 buts au parc. J'avais dit aussi qu'ils en prendraient soit 1, soit 2, soit 3. Je ne le souhaite pas, mais j'étais sûr que les Orléanais allaient marquer au moins un but. Henri Zambelli. Joël Germain. Béas. Soyez, qui tente un petit pont sur Pilorget. C'était beaucoup demandé, mais Bibard a beaucoup de mal. Oh là 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 là. Et un coup de coude de Bibard devant l'arbitre, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et finalement, Langers récupère le ballon. Poucan. Ah oui, jeu en triangle des Orléanais, Poucan, Langers. Et finalement, oh, il n'y a pas faute. La monnaie de la pièce. Et les Parisiens qui s'énervent de plus en plus. La monnaie de la pièce. Avec Bibard qui reste dehors. Il faut dire que Bibard avait mis un petit coup de coude au passage. Juste auparavant. Calderon, qui est donc revenu sur le terrain alors. Rico. Et Poucan qui récupère le ballon avec Joël Germain. Il a vu Langer. C'est... Oh, quel beau ballon. C'est dommage. Enfin, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Car par Pilorget qui avait réussi donc à récupérer cette balle. Calderon qui va tenter donc maintenant d'envoyer Zverev en direction de Jean-Yves Lemot. Zverev est complètement sur le côté. En face de lui, Béas. Simon Boyer, pardon. Et c'est finalement c'est une touche. Un corner. Oui, ben d'accord. Ça commence bien. Je suis un petit peu remué quand même. Zverev qui va vers le but. C'est Calderon qui va tirer le corner. Plus de corner pour le Paris Saint-Germain. Il semblerait qu'on fasse une certaine pression. Sortie de Lemo un petit peu difficile. Mais finalement, les Orléanais peuvent se dégager. Soyez bousculé par Rico. Il obtiendra justement un coup franc. Zverev qui a senti qu'on allait peut-être jouer avec Lemo.
s'est placé là-bas. Cessnia qui est tout seul, il pourrait bien avoir le ballon. À moins que Zambelli préfère jouer devant. Zambelli voit le ballon dans le camp parisien. C'est Sen qui l'a récupéré maintenant. Charbonnier. Devant lui, Cessniak. C'est Christian Pérez qui a, qui a appelé dans le trou, mais c'est Cessniak qui l'a trouvé. Et c'est Cessniak qui envoie le ballon en touche. Olivier, je crois que ce sera un très grand regret pour vous de ne pas être sur la pelouse aujourd'hui. Hein. Parce que vraiment, une rencontre comme ça, je suis sûr que n'importe quel footballeur aurait voulu y participer. Bien sûr. Mais enfin, il y a le match retour encore. Avec encore un nouveau départ des Orléanais. Et beaucoup d'intelligence parce qu'on garde le ballon en attendant que les partenaires se placent et on obtient en plus. Même quand c'est difficile, à 3 contre 1, la touche. Il y avait Soyer, mais il y avait à côté de lui, Sen, Pilorget et Rico. Et la touche a été pour Soyer. Belle couverture de balle. Impressionnant, Soyer, parce que vraiment, on ne l'attendait pas à être aussi présent à un tel rendez-vous. Jean-Yves Lemot. Oh, Jean-Yves Lemot, c'est pas sérieux. D'autant qu'il avait le temps de la prendre à la main. Langers arrêté par Sen. Et finalement, là-bas, Charbonnier. En face de lui, Cessniak, comme d'habitude. Tête de Poucan. On joue un peu à l'emporte-pièce pour moi. Il n'y a plus beaucoup de football. Puis il est hors-jeu avec Souchich, mais il est hors-jeu. Et Souchich, de toute manière, met le ballon sur le poteau. Souchich. Jean sur exemple, le poteau. Ils sont tombés presque à chaque fois dans le piège du hors-jeu. C'est-à-dire que ce hors-jeu joué par le seul Zambelli, eh bien, c'est facile parce qu'il n'a pas demandé aux autres de s'en occuper. Il se met loin derrière et il monte quand il veut, comme on lui semble, c'est-à-dire juste une seconde avant le départ du ballon. Et ainsi, il est tranquille. Simon Boyer pour le mot. Et l'on joue maintenant de la 25e minute. Et le mot va pouvoir dégager son camp. Et c'est bien l'US Orléans qui mène 2-0 ici au Parc des Princes. Long dégagement. Et à nouveau encore Germain qui prend le ballon de la tête. Et un Pilorget qui donne un ballon à Batz. D'une manière un petit peu hasardeuse. Charbonnier. Ah, il profite d'une chute orléanaise. Ça fait Soucich. Position d'ailier gauche. Revient sur lui-même. Christian Pérez est parti sur le côté, mais ça fait Soucich. A essayé de trouver Rico. Rico qui récupère le ballon, mais Soyer a réussi à le récupérer grâce entre autres à la complicité de Poucan. Laura lui a laissé passer et finalement les Parisiens font toujours n'importe quoi. Et Henri Zambelli va pouvoir de la tête dégager son camp. Et les Orléanais avec Laura récupèrent. Mais Sen, qui fait quand même pas un mauvais match, Sen, en tout cas au niveau défensif. C'est un très bon récupérateur de ballons. A récupéré beaucoup de ballons. C'est peut-être le seul Parisien pour le moment à ne pas décevoir. Calderon. Et Lemo. Quelle belle prise de balle de Lemo. Ah, ça met en confiance. C'est Cessniak. Laura. Et Langers complètement de l'autre côté. Peut-être encore un nouveau coup de Laura. Oh là là, il a voulu tenter sa chance tout seul. Il a raison. Baconnier, Cessniak. Oh, ça passe de partout. Langers est tout seul au point de pénalty. Bibar revient maintenant. Le ballon arrive. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Mais le ballon n'est pas perdu. Il a hésité de la reprendre de volée. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'a tenté de nous faire Poucan. C'est extraordinaire. Les Parisiens n'attaquent plus le ballon. Cessniak qui reprend de voler, la balle est une grande cloche. Finalement, c'est Michel Bibar qui la donne à Christian Pérez. Contrôle, Langers est là et les Parisiens perdent à nouveau le ballon. Soyez, Poucan qui rate son contrôle. Langers qui récupère, qui va donner sur le côté là-bas avec Bacot. Non, il préfère jouer avec Germain. Et le ballon finalement récupéré par le Paris Saint-Germain. Zverev en contre-attaque, un petit pont sur Boyer. Zverev qui donne un très bon ballon à Calderon. Calderon qui a évité, et belle sortie de Lemo qui a évité Zambelli, belle sortie de Lemo. Tentative de faute de Zverev pour récupérer le ballon devant Lemo. Et Lemo qui sauve son équipe et qui reçoit les bravos de la foule et d'Olivier Trassard. Ah, j'ai eu peur quand Calderon a évité Zambelli. Caroli Kremer qui donne des consignes. Et on va retrouver Frédéric Deschamps. Caroli, 75 minutes de jeu, un changement dans cette équipe de l'USO. Oui, à la place de Soyer qui a fait un match fantastique, il a très beaucoup couru, c'est Lionel Henault qui rentre pour assurer un petit peu.
C'est le changement pour le moment. Merci Caroline. Merci Frédéric et merci Caroline. On revient au match avec le ballon toujours dans les pieds orléanais, en l'occurrence maintenant les mains de Cesniak. Et Langers. Langers qui évite Pilorges, extraordinaire, il va pouvoir croiser ou centrer. Il centre, une talonnade, c'est le troisième. C'est extraordinaire. L'US Orléans mène ici 3-0 au Parc des Princes. C'est extraordinaire. Christophe Soyer. Avec un but de Soyer qui justement, on allait le faire sortir. Soyer a signé ici au Parc des Princes. Le troisième but de l'US Orléans. Voilà. Si vous pouviez voir, Joël Batz contre son poteau là-bas, c'est la désolation. Joël Batz là-bas contre son poteau, c'est la désolation du Paris Saint-Germain avec Frédéric Deschamps et Jean-Baptiste Bordas. Oui, avec Jean-Baptiste Bordas, je crois que c'est l'homme concerné en plus parce que Christophe Soyer, c'est un pur produit du centre de formation de l'USO. Et là, c'est une belle récompense pour vous, Jean-Baptiste. Ouais, je pense que c'est une récompense pour toute l'équipe. On fait un très grand match. Ça se passe de commentaires, j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. À jouer très bien, plaire au public, je crois que là on fait une grande démonstration de football. Alors Jean-Baptiste Bordas vient de nous dire ça se passe de commentaires, alors je me tais Olivier. Mais je peux quand même pas me taire comme ça pendant très longtemps. On a vu le ballon passer devant le but de Lemo, mais il y avait un hors-jeu signalé de Safet Soucy, c'est la désolation. C'est la désolation pour le Paris Saint-Germain, c'est l'exploit. On a beau croire tout ce qu'on veut. On a beau croire tout ce qu'on veut. Il me semble maintenant impossible que l'US Orléans puisse laisser échapper cette qualification. 2-0 au Parc, c'était déjà difficile. C'était difficile pour Paris Saint-Germain, mais 3-0, comment le Paris Saint-Germain, avec cette équipe qui a été dominée pratiquement dans tous les compartiments du jeu et surtout au niveau de l'opportunisme, le Paris Saint-Germain pourrait revenir. Là, il y avait hors-jeu, l'arbitre ne l'a pas signalé, mais le ballon va sortir en 6 mètres. Comment cette équipe du Paris Saint-Germain pourrait venir gagner 4-0 à la source? Marquer 4 buts là-bas, ça me semble carrément impossible. Vraiment, Caroline Kremer a donné un moral de gagneur à cette équipe. Il me dit à chaque fois... Et oui, on va créer la surprise, mais finalement, ça ne se surprise quand on crée des surprises à longueur de temps. Jean-Yves Lemot, long dégagement. On va essayer de prendre un petit peu son souffle. Cesniak. Et à nouveau un départ, mais l'arbitre siffle. Frédéric Deschamps sur le banc là-bas. Caroline Kremer, un nouveau changement. Oui, c'est Baconnier qui se plaint, c'est Marfrian qui va rentrer et c'est Renault qui va reprendre la place de Baconnier. J'espère que ça va aller. Merci Caroline. Steve, un clin d'œil de Caroline qui en dit long sur les dessins qu'avait le manager orléanais avant cette rencontre. Absolument, parce que s'il y avait quelqu'un qui était persuadé que l'US Orléans pouvait gagner au Parc des Princes et qui a essayé de le faire croire à ses joueurs, et ben il avait raison, c'est Caroline Kremer. Calderon maintenant à l'entrée de la surface de réparation. Un très bon ballon pour Christian Pérez, mais il a été contré. Oumarsen sur le côté. Il y a Rico. Rico qui tente de donner deux volets. Mais si vous voyez, a bien suivi. Et finalement, donc, rentrée du deuxième joueur orléanais. Matrillan. Il s'agit du Yougoslave Matrillan. Qui rentre donc à la place de Baconnier, dont on savait qu'il se plaignait du mollet, mais Bako n'aurait pour rien au monde raté cette rencontre. Le voilà Matrillan. Et rentrer dans une équipe qui met 3-0, ça doit être quelque chose. Peut-être une interview justement du joueur qui vient de sortir, à savoir Baconnier. Gérard Baconnier, un match fou, 3-0 pour vous ici au Parc, c'est inespéré. Ouais, c'est incroyable, je crois qu'on réalise un super match. Bon, peut-être que le Paris Saint-Germain n'est pas le même jour, mais en fait, je crois qu'on a su les prendre comme il fallait. Il n'arrive pas à se créer d'occasion. Et c'est vrai, 3-0, ça paraît gros, mais sur le match, sur les occasions qu'on se crée, bon, mais il n'y a rien à dire. Gérard Lantier, un petit mot à rajouter? Il n'y a rien à dire. C'est un très bon match pour réaliser tout le monde. J'espère qu'on ne va pas prendre un but, ça serait bête. Parce que 3-0. Voilà, c'était Gérard Lantier, tendu, déçu de ne pas être sur la feuille de match, mais en tout cas solidaire de tous ses partenaires. Faute sur Langers. Ah vraiment, cette équipe de l'US Orléans,
aura certainement surpris la France entière par ce résultat en menant 3-0 maintenant après 32 minutes, c'est-à-dire 77 minutes en deuxième mi-temps, à savoir qu'il reste donc maintenant un petit peu plus d'un quart d'heure, un petit peu moins d'un quart d'heure, avec une nouvelle action et un tir croisé. Non, c'était un centre finalement de Germain, qui montre la fébrilité de la défense parisienne. Le ballon est sorti en touche. Janol. Devant lui, Xuereb. Mais c'est Boyer qui aura le dernier mot, ça c'est sûr. Fantastique, c'est bon. Là, c'était Olivier finalement qui a eu le dernier mot. Rico. Et encore Boyer. Matrilliane. Beaucoup de métier, Matrilliane. Il est allé accompagner le ballon en touche. Et c'est Poucan qui va faire la remise en jeu. Poucan, il va falloir trouver de l'air. Mais il trouve Omar Sen de la tête immédiatement pour Soucic. Il faut faire très attention à Soucic dans ces positions-là. Il est très fort. Oh, quel magnifique ballon pour Germain. Ah, il l'a peut-être poussé un petit peu, un peu long. Allez, attends, il tente le petit pont. Ouais, mais j'aurais bien voulu voir Germain tirer un tir croisé de l'entrée de la surface. En tout cas, corner pour l'US Orléans. Il était trop gourmand, je pense. Et Calderon récupère ce coup franc. Pas très bien tiré. Soucic. Pour Calderon. Alors, attention, parce que le Paris Saint-Germain en trois passes est capable d'aller porter le danger. Mais finalement, Xuereb n'a pas de jus. Il faut dire que le ballon n'était pas très bien donné. Et Jean-Yves Lemot, cette fois-ci, est sorti complètement vers la touche. Il va falloir dégager très loin parce que ça se resserre. Alors, il dégage le plus loin possible. En touche. Il a même réussi à trouver la fosse. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est beaucoup de métier. Ibar. Rico qui part, mais c'est Soucic qui récupère le ballon. Soucic. Et à nouveau Boyer. Loin devant. Là, il n'y a plus personne. Les Orléanais jouent très groupés. C'est la technique de Bruno, de Caroli Kremer, à savoir que, eh bien, il faut raccourcir les distances, être toujours près les uns des autres. Comme ça, la mauvaise passe, finalement, ne prête pas trop à conséquence. Et puis, on se sent toujours soutenu par un partenaire. Jouer groupé. C'est cela, Olivier, hein? Tout à fait, vous avez encore raison. Ça, c'est Kremer qui me l'avait dit. Olivier, je crois que je ne lui tirerai plus un mot jusqu'à la fin parce qu'il est complètement sur un nuage. Exactement, je suis complètement absorbé. Et commenter une rencontre tout seul, c'est pas facile. Langers qui part, mais l'arbitre redonnera ce coup franc à rejouer. Car sur la pelouse, il y a un Orléanais qui est couché. Et je pense que c'est Germain. Vous qui les connaissez bien, Olivier. Pardon. Vous qui les connaissez bien, c'est bien Germain là-bas. Non, je pense pas. Non, c'est Manuel. Manuel. Avec Henri Zambelli. On va rester là pour le moment en commentaire ici, parce qu'il peut se passer des choses. Côté avec Matrilliane, un petit ballon, mais c'est finalement Bibar qui parvient à dégager son camp, Christian Pérez. Et oui, il n'y a pas beaucoup de solutions. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont complètement à l'arrêt. Mais Christian Pérez arrive à s'en sortir pour le moment. Il a échappé à trois Orléanais et donné le ballon à Calderon. Charbonnier. Charbonnier devant lui, Zambelli. Christian Pérez à l'entrée de la surface de réparation. Ça fait Soucic. Il a trouvé Xuereb. Sortie de Lemo. Quelle sortie de Lemo. Oh, c'est extraordinaire. Xuereb avait piqué le ballon, sortie de Lemo. Contre-attaque Emmanuel avec immédiate avec Manuel Lera. Langers en face de lui, Pilorget. Il est contré, mais les Orléanais sont trois pour récupérer le ballon. Dont Matrilliane maintenant.
Martial Cesniak. Langers, il se trouve vraiment comme si c'était l'entraînement. Un petit 1-2. Ah, il a été un petit peu gourmand, Germain. Et encore Boyer, extraordinaire. Zverev attendait le ballon et Boyer est allé le chercher. C'est la différence entre une équipe motivée. Et Zverev, on le voit, il est énervé. Parce que pour que des joueurs de cette classe, parce que c'est quand même un international, soient obligés d'aller bousculer Poucan, qui pourtant, à part avoir joué en deuxième division, n'a pas une énorme carrière derrière lui. En tout cas, Poucan aujourd'hui, il a montré que la différence se faisait pas toujours dans le même sens. C'était pas facile à faire passer. Germain l'a récupéré. Faute sur Calderon de Poucan. L'arbitre est très généreux. Et on joue la 39e minute. 6 minutes encore à tenir pour l'USO. Pas prendre de but. De toute manière, même avec un but, ce serait quand même un extraordinaire exploit. Calderon dans la surface. Bibara. Oyo. Mais enfin, il faut les prendre ces ballons finalement. C'est bien joué de la part là-bas. Je pense que c'était Béas. Corner. Le mot. Volontaire en diable. Récupère le ballon, mais finalement, les Orléanais sortent. Il y a 3 Parisiens hors jeu. Et l'arbitre laissera jouer parce que le mot a récupéré le ballon. Le mot qui dit à ses partenaires, on n'est pas pressé. 5 minutes et demie à jouer. Cesniak. Et les Orléanais qui peuvent repartir. Avec Eno et Cesniak. Loin devant avec Germain, c'est bien joué. Mais la balle va sortir. Calderon. Derrière lui. Janol. Qui fait n'importe quoi. Et ballon profite quand même aux Parisiens. Pas pour longtemps. Mais il y a une faute de Lionel Eno sur Christian Pérez. Et Olivier Trassard qui regarde sa montre. 4 minutes et demie. Plus ses arrêts de jeu. Peut-être une minute. Calderon. Sa tête sous siche. Toujours capable d'un exploit. Le voilà peut-être l'exploit. Mais finalement Matrian, pourtant un attaquant il me semble, venu défendre devant Bibar. Et concéder le corner. Calderon pour tirer ce corner. Devant le but, ça se bouscule. Et finalement, la tête de Charbonnier a été, paraît-il, contrée. Alors, à nouveau Calderon pour un nouveau corner. Oh, il y a du monde. C'est un Parisien qui avait pris cette balle de la tête et en l'occurrence... Le numéro 13, Pilorget, mais finalement le ballon ressort. Ça, c'est un peu fort à la moule là. Ça fait souci de l'autre côté. Et on entend le public du Parc des Princes. USO. USO mène 3-0. Ils sont deux les Orléanais pour reprendre. Zverev. Oh là là. Le tir est passé à ras du poteau. Et j'ai bien l'impression que le mot aurait pu être battu sur cette action. 3 minutes de la fin. Zverev. Tout seul au 18 mètres et le tir passe à ras du montant de Lemo. Et le public va de plus en plus fort. Bibar, contré par Matrian. Et Bibar ne trouve personne. Il n'y a personne à trouver de toute manière. Si, Zverev qui perd le ballon. Lionel Eno. Manu Laura peut-être. À Lionel Eno a perdu le ballon. Christian Pérez qui se bat comme un diable mais finalement a pris Rico à contre-pied. Eh bien, Olivier, j'ai bien l'impression qu'on va finir sur ce match 3-0 qui termine un peu au coup de poisson parce qu'il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien mais il y a quand même un score de 3-0. C'est vrai. C'est fantastique. Et ça laisse sans voix.
Langers. Faute de Langers. Il est fâché, Rico. Christian Pérez, qu'on voit beaucoup bouger. Calderon. Loin devant pour Zambelli. On voit de la tête. Matriane de la tête avec Pérez. Mais c'est Matriane qui a réussi à se protéger. Protéger le ballon. Poucan loin devant. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Belle montée de Jean-Marc Pilorget. Et Langers est hors jeu. De toute manière, le ballon était un peu loin. Il aurait certainement fini dans les bras de Joël Bat. Une des dernières actions pour le Paris Saint-Germain. On envoie le ballon loin devant. Mais c'est Henri Zambelli qui le renvoie. Christian Pérez. Et on monte vite. Et on monte vite. Zambelli n'est pas le dernier. Ça peut créer des problèmes. Il a réussi à éviter le mot hors et jeu. But, mais hors-jeu, et oui, hors et jeu, oui il a réussi devant. À éviter le mot, mais ça fait ceci, j'étais hors-jeu. Effectivement, bien joué l'arbitre de touche. Ah sans, oui, il peut dire ce qu'il veut, ça fait ceci. Chauvin, c'est vrai, il est hors-jeu. La seule fois que le mot est passé à travers du ballon. Et c'était pas facile pour le mot, parce qu'il nous en a gratifié de sacrées sorties jusqu'à présent. Je me rappellerai encore de celle de Xvereb tout à l'heure. Et dès le début du match aussi. Bibar. Faute sur Bibar, mais l'arbitre laisse jouer. Christian Pérez. Pilorget avec Calderon. Calderon en face de lui, Henri Zambelli. Centre, tête de Pilorget. Et le ballon finit sur le petit côté. Charbonnier n'a pas été assez rapide. Mais je pense que Pilorget, lui, essayait de marquer au deuxième poteau. Il reste 30 secondes de jeu. J'aimerais que Frédéric Deschamps se prépare à aller interviewer Caroline Kremer pour qu'on l'ait juste à la fin. Le mot qui dégage. Quelle soirée. Charbonnier. Peut-être la dernière action parisienne. Charbonnier qui rentre dans la surface, qui donne un très bon ballon, mais finalement les Orléanais avec Didier Boyer s'en sortent très bien. Manu Lera sur le côté. Et les Orléanais qui font preuve d'un métier extraordinaire. On a l'impression que l'équipe de première division, ben, c'est l'équipe jaune. Et jaune et rouge en première division, c'est Lens. Encore les Orléanais. Facile, Langers qui demande le ballon. Oh, c'est bien joué, c'est extraordinaire. Voilà, si c'est le quatrième but, je crois que ce sera vraiment la fin. Parce qu'il touche le ballon. Et un quatrième but pour l'US Orléans. Je crois que le Paris Saint-Germain a pas dû prendre ce match au sérieux parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les joueurs de l'USO à genoux devant leur entraîneur. C'est extraordinaire. Cette fin de match avec un but à la 90e minute. Les Orléanais s'embrassent tous 4-0. J'ai bien peur que ce score de 4-0 désemplisse le stade de la Source. Parce qu'on m'avait dit à 4-0 à l'aller, il n'y aura personne pour aller voir l'USO au match retour. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux plus parler, je suis tout à fait ému. Joueurs de Paris Saint-Germain ont engagé, mais ça n'intéresse plus personne, à part Calderon qui se retrouve en position d'ailier gauche. Calderon qui se met sur son pied droit, centre au deuxième poteau. Et c'est encore un joueur d'Orléans qui dévie le ballon de la tête. Un corner, peut-être le dernier de cette rencontre, Xvereb. Avec lui, Christian Pérez. 4-0 ici. Je ne sais pas si vous... Je ne sais plus quoi dire. Christian Pérez, Zambelli qui fait cette tête. Les Orléanais se dégagent. Calderon peut-être pour une action. Ils sont montés. Xvereb était hors jeu. Ça fait Susic qui envoie le ballon au fond. Et je vais vous dire que Jean-Yves Lemot ne va pas se presser pour aller le chercher. 4-0. L'arbitre demande le ballon et indique la fin du match. Frédéric, j'espère que vous allez aller voir maintenant Caroline Kremer. Vous l'avez à côté de vous, Frédéric. Oui, Steve, Caroline, quelle victoire, quel match des Orléanais. Caroline qui est félicitée par Tom Krivis, dont on reparlera, et Caroline qui s'embrasse avec Tomislav Ivic. Toutes les félicitations de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et les joueurs de l'US Orléans là-bas, allez voir leurs supporters. Voilà, je suis avec Caroline maintenant. Cette récompense de la part de Tomislav Ivic est révélateur de tous les efforts que vous faites à l'USO. Et ce soir, la démonstration que votre équipe a faite est éloquente. Frédéric, tournez-vous. C'est le football qui gagne contre l'anti-football.
Je suis très heureux pour toute l'équipe et je suis extrêmement heureux pour tous les spectateurs qui sont soutenus ici parce que, comme j'ai dit avant, on avait notre chance et on mérite cette victoire largement. Merci Caroline. Merci Frédéric. Je vous retrouve donc maintenant au vestiaire. Je vous retrouve au vestiaire, Frédéric, pour la fin de ce commentaire. Je crois qu'on a fait un match extraordinaire. Disons, pendant 90 minutes, on s'est accroché, on y a cru. Et si on aurait pu mettre un cinquième, on l'aurait mis. Parce que je crois que ce soir, les gars, vraiment, l'équipe a fait un match extraordinaire. On était solidaires. Et moi, j'en reviens pas. Je suis un petit peu sur un nuage, je crois, comme la plupart de mes coéquipiers. C'est vrai que jusqu'à présent, on parle beaucoup de l'attaque et peu de la défense. Il est vrai qu'en championnat, nous sommes une des dernières défenses. Et on a prouvé ce soir qu'on pouvait tenir un match, bien groupé, chacun a bien rempli son rôle. Et on ne s'est surtout pas affolé. Et en contre, bon, on a eu quelques occasions et donc on en a mis 4 au fond. Si on m'avait dit ça au tirage, j'aurais dit mais vous me prenez pour un fou quoi. On a bien joué le hors-jeu ce soir, on les a pris assez haut. On n'est pas resté cantonné dans les 18 mètres. J'avoue que c'était une victoire totale sur tous les plans parce qu'on a quand même attaqué, on n'est pas resté derrière ici au parc et c'est l'euphorie, mais de là à marquer 4 buts, je pense que c'était vraiment inespéré. Est-ce que les attaquants parisiens, en l'occurrence Christian Pérez, pour vous, vous ont posé beaucoup de problèmes? Ce soir, je dois avouer que bon, il m'a pas posé trop de problèmes parce qu'il revenait beaucoup dans le milieu, mais c'est quand même un joueur qu'il faut surveiller de près parce qu'il est très vif et très petit et donc assez dur à prendre. Je pense que sur la vue du match, les 4-0 sont assez justifiés. Je pense que pour féliciter tous les gars qui ont fait un très très grand match, je pense qu'ils se sont dépassés avec un public extraordinaire. Je crois qu'on a fait le match parfait. Un produit du centre de formation d'Orléans qui marque un but, un match extraordinaire pour vous. Ah ouais, surtout que c'est mon premier but de l'année en deuxième division au Parc des Princes. Je ne peux pas demander mieux. Et surtout avec les spectateurs, c'est fantastique. Comment vous avez vécu cette rencontre? On vous a vu très tendu, bien évidemment, à la veille de cette rencontre. Ouais, c'est normal, je suis jeune, c'est ma première Coupe de France. Mais avec les anciens, ils m'ont aidé pendant le match à me placer. Moi, j'ai fait quelques erreurs, c'est normal. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Moi, je me souviens, Caroline Kremer, au moment du tirage au sort, quand le PSG est sorti de l'urne, elle a dit « c'est super, on va les battre ». Je crois qu'il a su insuffler à tous les joueurs une grande motivation, et je crois que c'est ça ce qui a fait la différence ce soir sur le terrain. Est-ce qu'on peut parler d'un excès de confiance? Non, absolument, non. Je crois qu'il ne faut pas aller si loin, il faut pas. Je crois qu'il n'y a rien eu de... Il n'y a pas eu de choses comme ça de notre part. Je crois qu'on est rentré sur le terrain quand même pour gagner. Et puis bon, on sait pas ce qui est arrivé. Le PSG peut dire adieu à la qualification? Ouais, je crois qu'il faut être réaliste, quoi, hormis un miracle. Mais enfin, faut pas rêver, je crois que c'est fini. C'est pas pour ne pas recevoir, j'ai pas le goût à parler. Le score était différent du même, 4-0, c'est mérité. Bravo, Léon. Bravo. Voilà, vestiaire de joie ici. C'est pour moi donc l'occasion de rendre l'antenne. Vous avez rendez-vous samedi, évidemment, au stade de la Source. N'oubliez pas, l'USO a encore besoin de vous, même si le match semble déjà joué. C'est pas fini en football, il peut se passer beaucoup de choses. Mais les joueurs, ça leur fera très plaisir si vous venez très, 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 très nombreux. Et puis évidemment, le retour, on va pas rater ça sur FR3. Merci. Merci.